au cas où le roi nous demanderait encore de planifier des muffins, des petits fours ou une quelconque autre gourmandise pour ses futures célébrations, je te propose de t'entraîner à la résolution du système d'équations avec un exemple tout simple pour commencer. Et le voici. Donc, le but est de résoudre le système suivant. Et je vais nommer les lignes comme avant, ligne 1 et ligne 2, L1 et L2. La première équation est x moins 4y est égal à moins 18. X moins 4y est égal à moins 18. Et la ligne 2, moins x plus 3y est égal à 11. Moins x plus 3y est égal à 11. Donc qu'est-ce qu'on remarque d'abord? C'est un exemple assez simple car ici on a x dans la première équation et moins x dans la deuxième équation. Ça ressemble au premier problème qu'on a résolu pour le roi où il y avait un 500a et un moins 500a qu'on pouvait annuler facilement. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas? Eh bien, souviens-toi qu'il suffisait d'additionner cette première équation avec la deuxième équation, ce qui faisait disparaître les x. Donc allons-y, essayons de faire ça. Écrivons l'équation L1 plus L2. Qu'est-ce que ça donne? D'abord, x moins 4y moins x plus 3y. Pour l'instant, on a additionné le côté gauche de l'équation. Maintenant, faisons apparaître le côté droit. Moins 18 plus 11. On obtient x moins 4y moins x plus 3y est égal à moins 18 plus 11. Regardons ce qu'on peut faire à la ligne d'après. Le x s'annule avec le moins x. Moins 4y plus 3y devient moins y. Et moins 18 plus 11 devient moins 7. Moins y est égal à moins 7. On peut multiplier des deux côtés par moins 1. Faisons ça à la prochaine étape. Multiplions toute l'équation par moins 1 et on obtient y est égal à 7. Ça y est, on a déjà réussi à résoudre pour une inconnue. Maintenant, nous avons envie de trouver x. Et pour cela, souviens-toi de la méthode, il suffit de remplacer y par 7 dans une de ces deux équations, par exemple la première, et de résoudre. Donc allons-y, choisissons la première. X moins 4 fois 7. Maintenant, on sait que y égale 7, donc on peut remplacer y par 7, est égal à moins 18. Ce qui donne x moins 7 fois 4, 28, est égal à moins 18. On peut additionner 28 des deux côtés. Allons-y. Donc pour passer de cette ligne à celle-ci, je vais additionner 28, ce qui à gauche le fait disparaître, et à droite, moins 18 plus 28 est égal à 10. X est égal à 10. Ça y est, on a trouvé la solution au problème. X égale 10 et y égale 7. Mais haha, pas si vite. Qu'est-ce que je t'ai conseillé de faire à chaque fois que tu trouves une solution à un système d'équations? Eh bien, c'est de bien vérifier que ton x et ton y sont effectivement bien solutions des deux équations en remplaçant. Donc, vérifions d'abord pour l'équation L1. Est-ce que 10 moins 4 fois 7 est bien égal à moins 18? Eh bien, allons-y. 10 moins 4 fois 7 est égal à 10 moins 28, qui est égal à moins 18. Ok, c'est bon pour la première équation. Vérifions pour la deuxième, L2. Est-ce que moins 10 plus 3 fois 7 est égal à 11? Ben allons-y pour voir. Moins 10 plus 3 fois 7 est égal à 21, et bien égal à 11. C'est bon, on a bien vérifié que le couple 10, 7 est solution de ce système d'équations.